Bien, après cette petite intermède dès le départ, tiens, c'est quoi ça? Chaos primordial. Je sais plus, j'avais looté ça quelque part. Donc c'est bon, on peut continuer. On va prendre la monture. On sait jamais. Et nous allons continuer, du coup, cette quête. Bipède, accompagnez-nous. Nous avons maintes histoires à partager. Les centaures Marouk comptent de nombreux clans disséminés à travers les plaines. Bon, apparemment, ça va se faire à pince, hein. De tous nos clans, quatre détiennent le plus de pouvoir. Les Tirai, les Shikar, les Nokud et les Onir. Le clan des Tirai veille sur nos traditions. Leur Kanam Matra est la chef spirituelle des Marouk dans leur ensemble. D'ailleurs, sa lignée remonte à notre première matriarche, Tira. Nous autres Shikar sommes les spécialistes de la chasse. Nos camps sont dispersés aux quatre coins des plaines, là où la vie sauvage est la plus foisonnante. Le clan des Nokud a accédé au pouvoir récemment. Il y a une génération de cela. Le Khan Jakan a vaincu le puissant clan des Togus et pris sa place dans les plaines. C'est son fils, le Khan Balakar, qui lui a succédé. Si Jakan était un centaure d'honneur, son rejeton n'a hérité ni de sa patience, ni de sa sagesse. Mon clan, celui des Onir, se distingue par son lien étroit avec notre déesse Onara. C'est elle qui a guidé nos ancêtres Marouk et Tira jusqu'aux îles aux dragons, et depuis lors, elle n'a jamais cessé de veiller sur nous. C'est long. Mais on a du lore. Les mystiques Onir sont originaires de nombreux clans, mais toutes et tous ont répondu à l'appel d'Onara et accepté de servir notre peuple. Si chaque clan a ses spécificités, tous partagent une culture commune. Quelles que soient nos forces et nos faiblesses, nous appartenons à la grande famille des Marouk. Bipède, il me semble que vous avez affronté bien des adversaires. Il faudra nous raconter ça. Pas de soucis, quadrupède. Je vous ai déjà conté l'histoire de ma première proie, Bellica.
Un redoutable trot de bois aux cornes aussi longues que ses pattes. D'ailleurs, j'en ai gardé une en guise de trophée. Passionnant. C'était un bel exploit, Tomul. Ma première proie était un ours de glace et de neige, sur la toundra de la Travée d'Azur. Mon Bakar et moi-même avons été accueillis avec les honneurs au Koural. Ils se sont fait chier, par contre, vraiment, à mettre des dialogues tout le long du parcours, hein. Notre première halte. Installez le camp, Shikar. L'heure de la chasse a sonné. C'est des joueurs? C'est des joueurs. D'accord, et il fait un temps pourri. Quoi? Bonne route. Tout ça pour 1200 XP, quoi. Bordel. Les Marcus arrivent des quatre coins des plaines pour participer au Koural. Les célébrations dureront plusieurs jours. Montrez à notre bipède comment on chasse. Il n'est pas simple de nourrir autant de centaures à la fois. Les chasseurs et chasseuses du clan des Shinkar fournissent de la viande pour tous les banquets. La coutume est de s'arrêter pour chasser sur le chemin menant à Marukai, et vous allez devoir participer. Récupérer 30 morceaux de venaison fraîche en chassant les animaux de la steppe du voyageur. Enfin. Haru, Belika, sérieusement? Comment on chasse? La chasse est ouverte. Sérieusement, la première quête, c'est du farm. Ah, j'ai bien vu un truc là. Mais... Haru, Belika, montrez à notre bipède comment on chasse. Vous tombez sur une grande empreinte de pattes dans la terre. Vous jetez un regard autour, mais voyez aucune créature dotée de pattes et encore moins de cette taille. Vous pourriez peut-être impressionner les centaures en chassant ce grandiose animal. Trouvez la créature et tuez-la, puis rapportez une preuve de votre exploit à l'éclaireuse Tamoul. Haru, Belika, montrez à notre bipède comment on chasse. Ouais, je le fais pour l'XP, hein. Ah. Ah oui, alors, marcheur. D'accord, ok, pas de soucis.
Ok, suffit de passer dessus. Mince, c'est lui, c'est ça? Non. On est d'accord que ça, c'est pas interactible. Non, non, va falloir juste attendre qu'il respawn parce qu'il est... D'accord, ok. Ouais, c'est ça, va falloir attendre qu'il respawn. Ok, nickel. Quand tu veux. C'est vraiment cool d'être avec d'autres joueurs. Franchement, j'aime beaucoup. Attendez, ah, j'ai pas loot? C'était pas lui, c'est ça? Dites pas que c'est la créature en fait était là-dedans. Ça me semble être le cas, mais bon. En effet, j'ai l'impression que c'est en dessous. Est-ce qu'il y aurait une autre grotte dans le coin là? Hey. Non, 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 c'est pas là. Mais il y a des grottes. Bon, je vais récupérer le stuff qu'il y a là-bas. Passer sur cette Je suis hors. Ah, parce que quand je suis ici, le seul possible, c'est ça, quoi.
Ou alors c'est la grotte qu'en dessous. Putain, c'est ça. Allez, ça c'est fait. Et pour le Vénézon, j'en suis où? 23 sur 30. Et j'ai toujours mes objectifs bonus qui me cassent les bonbons. Ce bug est chiant. C'est bon, c'est tout ce qu'il me faut. Crachez le morceau. Je parie qu'on se reverra bientôt. Je ne suis pas votre nourrice. Enfin. Moi, j'ai gagné! Non, c'est moi le meilleur. C'est la qualité des proies qui compte, pas la quantité. Titre. pardon. pardon. J'espère que ça vous dérange pas de vous mouiller les pieds. La prochaine partie de notre voyage va vous faire traverser deux cours d'eau. L'un, c'est... souhaiterais vous raconter une histoire sur notre gardienne sacrée Onara. Je me fais une joie de vous laisser avec elle, accompagner la caravane des clans et jusqu'au gué des rivières. Je ne suis pas votre nourrice. Bon. Hein? Nous verrons le corps de non, c'est un... après avoir traversé... Merde, c'est un joueur. C'est un spectacle à ne pas manquer. Ah non, non, non. J'ai cru que j'étais monté sur le dos d'un joueur. En fait, non. Je suis bien monté sur le dos d'un mec. Enfin, d'un PNJ. En effet. J'avais pas vu que je pouvais monter sur... Le pacte ancestral conclu par Tyra et une dragonne verte nommée Meritra. Leur entente a mis fin à des années d'inimité entre les dragons et les Marouks. Bien, bien, bien. Ensuite, les centaures ont pris possession des plaines pendant que les dragons entretenaient les jardins, et nos deux peuples ont juré de s'entraider en cas de danger. Le corps de Druzal est le symbole de ce serment. Ah, vous savez que j'adore l'immersion, hein.
Mais là, c'est peut-être un poil trop. Sauf que les dragons ont déserté. Et aujourd'hui, 10 000 ans plus tard, les voilà de retour. Je suis curieuse de savoir ce qu'en pense la Kanam Matra. C'est Onara qui nous guide, Tomul. C'est elle qui nous a accordé ses terres et qui a arbitré notre conflit avec les dragons. Elle connaît la voie à suivre. Onara, la mère des vents, est la matriarche des Ouna. Elle a guidé nos ancêtres Marouk et Tihira jusqu'aux plaines. Mon clan interprète son chant afin de conseiller notre peuple. Attendez, j'entends son appel. Onara va s'adresser à moi. Oh le... Qui le vent nous amène-t-il aujourd'hui? L'aventure vous appelle à nouveau. Allez avec la bénédiction d'Onara. Les vents sont agités, aiment les jeunes Normands. Onara nous parle et je dois répondre à son appel. Je vais avoir besoin d'ingrédients pour mon rituel, des roseaux, des rives, des plumes, de queues de colvert et le cœur d'une dracamandre. Vous trouverez le tout près de la rivière. Rapportez-moi ensuite ces objets et je pourrai entendre sa voix. Récupérez 4 roseaux, des rives, 8 plumes de queue de canard et un cœur de Dracamandre dans les berges de la rive. Ça va la liste de courses là? Faites au mieux. Puis c'est perché, non? Enfin, je sais pas. Bon, allez, on va commencer par Dracamandre, je la vois là-bas. J'ai pas eu le cœur, c'est ça?
D'accord. Alors là, ça fait peut-être un petit peu trop. Je dois d'abord choisir une cible. Bon, s'il n'y a pas un cœur là-dedans, quand même. Il me manque les roseaux. Ah. Oh, bordel, il faut les voir, hein. C'est coin, 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 vous aussi. Alors, pas de cible. Le mec. Le souffle d'Onara vous donner des ailes. L'aventure vous appelle à nouveau. Faites au mieux. De toute façon, c'est sûr. D'accord. Donc, Onara ne parle pas la même langue que nous. Sa voix est portée par les vents en tant que mystique. Nous apprenons à sentir sa présence, à suivre son appel et à interpréter ses messages. J'ai utilisé des objets, les objets que vous m'avez apportés pour lier les totems à cet appel bien précis. Aidez-moi à accomplir un rituel pour centrer sa voix et je pourrai ensuite interpréter son chant. Si tu veux. Allez avec la bénédiction d'Onara. Quelle nouvelle m'apportez-vous? Venez. Aidez-moi à placer cet totem rituel. Des plumes de canard issues des nuées et des rivières. Le vent est ton chant, mère des aigles. Montre-moi. Qui le vent nous amène-t-il aujourd'hui? Puisse le souffle d'Onara vous donner des ailes. Faites au mieux. Eh, on est proche des 104 vies, hein. On est proche des 100K. Ça me ferait du bien de revenir à 100K. Franchement... Je crois qu'il y a une extension, j'avais atteint, je crois, les 304 vies. Je sais plus quelle extension, mais il me semble. Je crois que
C'était pas sur BFA? Excusez-moi, je bois un coup. Hein. Ça devait être sur BFA, je crois. Bon. Onkir interprète les gestes de Khan, Sansok. Près de ce bosquet se trouve Marukai, niché contre le flanc de la montagne. Notre voyage touche à sa fin. Le Kurai est une période de trêve parmi les Marouks. Mais le présage des hommes, Senchang, machin là, est troublant. Nous devons rester sur nos gardes. Entrer dans Marukai. Ok. Non, ça c'est de la merde. Et ça c'est de la merde. Marukai est droit devant. Ah. C'est un lieu de rassemblement sacré où se réunissent des centaures venus des quatre coins des plaines. Mmh, 500 mètres. Chaque saison, nous organisons le Kural, une trêve placée sous le signe de l'unité. Tous les clans, grands et petits, se rejoignent pour partager ressources et histoires. J'ai hâte de revoir mes pères. Peut-être la Khan Tigari pourra-t-elle m'aider à déchiffrer le présage envoyé par la rivière. Je préfère éviter les no-coudes. Ces misérables ne savent que chercher la bagarre. Les autres Shikar ont déjà dû arriver des autres camps. La colline qui nous est réservée devrait être prête à nous accueillir. Les autres clans nous ont devancés, semble-t-il. Entre notre hôte et l'émissaire des Dragons Verts, ce Kural s'annonce mémorable.
Excusez-moi, quand je suis arrivé donc dans cette dans ce petit village, j'ai oublié de réactiver mon micro. Donc voilà, je oh, j'ai même pas récupéré le fly du coup. Et donc on a été déconnecté, hein. La désynchro était évidente. Et donc je voulais tenter, du coup. De voler jusque-là. Ok, donc on a trois quêtes et une quête facultative. Excusez-moi. Oh, excusez-moi, je viens d'avoir une quinte de toux. Oh, j'en ai les yeux qui pleurent. Excusez-moi, ça va moyen, moi, en ce moment. Hein. Bon. Alors, le clan des Térés. Okir interprète les gestes de Kan Sanok. Le clan des Térés est celui de notre Kenam Matra. Notre lien direct avec nos ancêtres Marouk, ce clan a pour charge de sauvegarder nos traditions et de conter nos légendes. Pour comprendre les Marouk, il vous faut comprendre le clan des Térés, l'une des filles de la Kanam Matra, Karline Dautour est en train de préparer un repas pour nos ancêtres. Venez lui en en aide. Venez lui en aide, oui. Et elle vous enseignera les voies de notre peuple. Allez voir Karine autour. Alors je sens que ça va être trois quêtes en fait qui vont nous amener vers des suites de quêtes. Ça va être ouais. Sur nos terres, les mystiques comme On, Sereng appartiennent au clan des Onris. Oh là là, les noms, les mecs. Le clan n'est pas constitué de familles, mais plutôt de centaures provenant des quatre coins de la plaine et qui ont un lien inné avec Onara. Ces mystiques consacrent leur vie entière à renforcer ce lien et à affiner leurs compétences. À terme, ces sages ont pour rôle de conseiller les différents clans et de protéger nos terres. On, cet angle machin, est allé parler à sa canne, du présage qu'elle a Le clan des reçu. Nokoud est parfois agressif. Tomul, accompagne notre ami pour faire les présentations. Rejoignez-la pour en apprendre davantage sur les Oneiris. Retrouvez On Stang. Ok. Et les Co. Les Coco. Je sais pas. Les Noco. Pas les Coco, les Noco. Le clan des Noco est le dernier en date à s'être arrogé le pouvoir. Son précédent Khan
Jakan, d'accord, ok, avait levé une puissante armée pour s'emparer du territoire de son prédécesseur. Ainsi vont les coutumes de notre peuple. Mais si Jakan a gagné le respect de toutes et tous, ce n'est pas le cas de son fils Balakar, a tué son père afin de prendre le contrôle du clan qui vit en autarcie. Et depuis lors, pour comprendre les Marouk, il vous faut les connaître. Accompagner Tomul à la rencontre. Ok. Le clan des Nokoud est Ça, on parfois s'en fout. agressif. Tomul, accompagne notre ami pour faire les présentations. Oui, mon Khan. D'abord, je dois jouer les nourrices. Et maintenant, il faut que je vous présente aux Nokoud. Ma patience a des limites, Biped. Pas sur moi, c'est lui, c'est le plus proche Retournez là. donc jouer avec vos oiseaux, Chika. Dites-moi, le devoir m'appelle. Profitez bien de Ouais, votre c'est ça, séjour ok. parmi On a nous. 3 branches. Terrasse ici s'en tourne. Prouvez-nous que les apparences sont trompeuses, demi-portion. La seule présence de votre comparse est un affront à Onara, Khan Balakar. Ne vous engagez pas sur cette voie. Les Nukud méritent le pouvoir de la tempête. Nous montrerons aux Marouk toute l'étendue de leurs erreurs. Mon Khan, cet intrus n'a pas sa place parmi vos Nukud. Nous devons nous affranchir de toute faiblesse. Cédez à l'étreinte de la tempête, sage du vent. Il y en a d'autres? Mais non, mais... De toute façon, je gagne pas d'XP vu que je les bute pas. Ils s'enfuient quand ils sont à un point de vie. Je comprends pas là. C'est celui-là là-haut? D'accord, ok. Suivant, c'est là-bas. Donc les terrés. Excusez-moi, il va falloir que je m'embouche un coup. Voilà. Bon allez, il y a d'autres mecs à défoncer là, il n'y a pas de soucis. Hein.
Je vous prends à 10 contre 1, il n'y a pas de problème. Puissent vos flèches atteindre leur cible. Moi, j'ai nos ancêtres. Marchons à vos... Marchant à nos côtés sur les vents. Non, mais c'est pas vrai, hein. Excusez-moi, hein, j'ai quelque chose qui coince dans la gorge. Donc, marchant à nos côtés sur les vents, Onara, nous, nos ancêtres, nous guident et nous protègent. Tous les Marouks de ce monde ou du suivant se rassembleront lors de la trêve du Kural. L'odeur de ce repas rappelle les ancêtres à joindre notre campement. À leur arrivée, le Kural pourra commencer. Aider Karinojo à cuisiner un plat. Oh, ça va, on a personne à défoncer. Reposez. Deux jeunes Shikars ont rapporté du gibier de vos voyages. Apportez-le ici. Hein? Il faut maintenant assaisonner la viande. Allez chercher des épices dans nos réserves. Même nos jeunes mangent plus épicé que ça. Il en faut plus. On y est presque, mais je sens encore ma langue. Apportez-moi le plus grand pot d'épices que vous trouverez. Alors, tu sais que surépicé, généralement on fait ça sur les viandes qui sont avariées. Enfin, c'est une technique du Moyen-Âge, quoi, pour cacher quand la viande est faisandée. Bien joué. Voilà qui devrait titiller les papilles de Marouk et Tira. À vous l'honneur de griller le tout. En fait, ne l'ôtez pas du feu avant qu'il soit bien carbonisé. En fait, tu n'épices pas la viande. Tu viandes l'épice. C'est... C'est un délire. C'est là, c'est ça? Non. Je vois pas. Ah d'accord, en fait, je m'approche. Bien, l'odeur est puissante. Les vents la porteront aisément jusqu'à nos ancêtres. Placez le tout sur la table d'offrande. Bienvenue. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la cuisine. Ok. Honorez la mer. Et c'est lié quand l'équipe. C'est lié quand ramasser, je crois. Ouais. Ok. Seulement, j'ai pas vu où est-ce qu'on apprenait nos métiers. Je ne suis toujours pas tailleur de dragon, hein. Putain, il y a encore cette musique à Code Lyoko, là.
La tempête est précédée d'un front froid qui me glace jusqu'aux os. On n'arrête pas le vent, Sechteng. Pas plus qu'on ne peut en inverser la trajectoire. Il doit nous guider, et ce jusque dans la tourmente. L'aventure vous appelle à nouveau. J'ai transmis à la canne Tigari le présage que nous avons reçu avant d'entrer à Marukai. Elle s'est montrée inquiète car le vent lui paraît bien froid à elle aussi. Nous cultivons ici certaines fleurs qui peuvent être réduites en poudre et brûlées pour entrer dans une sorte de transe. Oui, c'est une façon pour nous d'approfondir notre lien avec le présage. Ah bah tous les prétextes sont bons pour shooter, hein. Je vous demanderai d'aller chercher quelques-unes de ces fleurs pour que nous puissions préparer un encens à brûler. Avec l'aide de ma canne, nous pourrons peut-être en apprendre davantage sur le sort de Onhara. Ok. Tu veux que je te fourniche, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Archiche shit. Bordel, je te jure. Allez, avec la allez, vas-y, on va deal. On va deal de l'herbe. Non, mais sérieux, quoi. Ah, ils sont au calme, les centaures. Hein. Ils shootent. Ils abattent des animaux comme ça, à l'aise. Ils sont tranquilles, les mecs, quoi. Et derrière, c'est... Ouais, nous, ce qui est important, c'est le respect. En fait, faut rajouter man derrière. Nous, ce qui compte, c'est le respect, man. Voilà. En fait, c'est vraiment une bande de hippies. Bon. Ça vos fleurs ou... Ouais. Quoi, faut encore en récupérer? Ah, il en faut 5. Et j'en ai 3. Ok.